Dans l'eau. C'est comment? Ça va bien toi? Ça va. Oui. C'est quoi cette abattue là? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va bien. Dis-moi, c'est ta beauté qui me laisse indifférent. Hein? Dis donc, arrête ça. Tu as fini de te mettre la patronne dans ta poche et maintenant tu ne veux pas de beauté. Voilà, toi tu as une blague. Quelle patronne dans la poche? Toi, tu me disais que je n'étais pas mariée, c'est que c'est toi que je me mettrais sous la dent. Hein? Là. Bon, par contre, par rapport à la patronne de moi, je sais plus. Hein, j'ai l'impression qu'elle veut me mettre dans sa poche. C'est pas ce que j'ai dans mon pantalon. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Mais madame. Non, ça devient déjà un peu trop bizarre, quoi. Elle me demande des choses un peu bizarres. Et la dernière fois, si tu n'intervenais pas. Je crois qu'il devait avoir quelque chose, quoi. Comment ça, quelque chose? Vous étiez... Attends, ne me dis pas que... Non, non. Vous n'avez pas... Non, hein? Bien sûr que non. Non, non, bien sûr que non. Oula. Ah. Je ne suis pas l'UNICEF des plantains non plus, quoi. Je peux pas... Distributeur automatique de plantains. Dans l'eau. Non, mais... non, arrête, s'il te plaît. Ouais, ça, moi, ça me fait pas... La dernière fois avec les fournisseurs, c'est moi qui voulais que vous fournissiez, je ne sais pas quoi. Mais tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour madame, vous avez besoin d'un café? Bonjour. Depuis que tu es là, tu ne pourrais pas préparer le café. Tu attends que j'arrive pour dire que bonjour madame. Non, alors tu ne dis pas bonjour. Bon, bonjour madame. Et tu ne me regardes pas. J'aime quand on se regarde, quand on se parle. Bonjour madame. Ok. Bon, c'en est où les dossiers que je vous ai confiés? Les miens sont à jour. Mm-hmm. Donc j'ai rencontré notre potentiel client. D'accord. Il a... Nous avons finalisé le contrat, donc ça n'attend plus que votre signature. Si vous voulez. On va voir ça après. C'est quoi la suite? Pour ce qui est de votre voyage au Cameroun, il faudrait qu'on fidélise. Pardon. Attends. Votre voyage au Cameroun, on va régler ça plus tard. Donc, les dossiers que je t'ai confiés, tu n'en parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis vraiment désolé, mais. J'ai plus que terminer 6 dossiers sur les 8 que vous m'avez donnés. 6 sur 8, il manque 2. Oui, mais je compte me rattraper le plus tôt possible. Donc tu laisses ces deux-là avec qui? Moi, je t'ai donné 8 dossiers pour aujourd'hui. Les deux autres sont où? Je fais comment? Madame, je suis en train de faire du mieux. Je donne tout ce que je peux, le maximum, quoi. Là, vous avez vu la taille des dossiers, je fais tout ce que je peux faire, quoi. Attends un peu. Tu es là, tu ne fais rien. Va chercher le café que tu proposes, non? D'accord, madame. Tout de suite. Dolo. Oui, madame. Je viens de t'asseoir ici. Je viens de t'asseoir à côté de moi. M'asseoir comment? Là, il y a la chaise, c'est la dernière personne. Ça fait un peu un vide, viens t'asseoir. Pourquoi madame, c'est la place de Luigi, non? Je n'ai pas entendu. Donc tu me demandes pourquoi? Je te demande de faire quelque chose, tu me dis pourquoi? Dolo, viens t'asseoir sur cette chaise. Excusez-moi. J'ai trouvé que c'était la place de Luigi. Tiens, attends un peu. Tu travailles pour qui? Pour vous madame. Qui te loge? Pour vous madame. Dolo. Enlève le madame là. Je t'ai déjà expliqué que je ne veux plus que tu m'appelles madame. Oui. Donc, qui te nourrit? Vous. Vous, c'est qui? Je t'ai dit quoi? Mais madame, vous appelez... Vous êtes la patronne. Madame, non. Avec moi, c'est Inaya. Et tu le sais. On en a déjà parlé. Oui, Inaya. Ah, tu commences un peu à me fatiguer. Ça me fait un peu mal au cou. Viens un peu m'asseoir, s'il te plaît. Ça me... J'ai... Mais madame, on est dans un bureau. Je... Dolo, tu discutes encore. Madame, je suis là. Lève-toi, tu viens vite, ma seconde. Dolo, ne me tensionne pas aujourd'hui là. Tu ne finis pas le dossier. Et quand je te demande de faire quelque chose, tu tournes. Dépêche-toi de venir, ma seconde. Qui okay, ça? Non. Madame, vas-y. Dolo. Mais elle, les deux, madame, dépêche-toi. Tu me disais même quoi tout à l'heure avant que la peste n'arrive. Ah, maintenant tu l'appelles peste. Quand je parlais, tu faisais comme si tu ne m'écoutais pas. Non, je te crois maintenant. Maintenant. Tu as vu quand même un off de la réunion là. Je n'ai rien compris. Maintenant que toi tu la crois. Cette dame là, moi je comprends pas ce qui se passe avec elle. Vraiment, moi j'en peux plus. Je sais vraiment plus quoi faire. Attends, dis-moi, elle t'a encore quoi? Elle t'a demandé quoi? Non, mais quand tu es parti là, elle me demande des choses bizarres. Je sais pas. Bizarre. Ouais, le plantain, non, tu.
Toi tu rigoles, moi ça me fait pas rigoler. Toi tu rigoles, ça me fait pas rigoler. Oh non, donc je blague. Tu blagues quoi? Moi je suis en train de te dire, vraiment, moi j'en peux plus. Elle te tient, elle te fait ça dur mon frère. Oui, elle me fait ça dur, mais mon vin n'est pas dur avec elle. Non, moi ça me passe pas. Bon. Par rapport au travail, ça va, ça se passe bien quand même. Non, mais comment par rapport au travail? Tu as vu, elle me donne le travail. C'est pas 8 dossiers, normalement c'est 3 personnes qui doivent faire ce genre de travail. Et après, quand je suis concentré, j'essaie de faire ce qu'elle me demande. Elle m'appelle, ouais, tu n'as pas mon temps et tout, il faut venir t'occuper de moi. T'occuper? Non, mais occuper comment? Je suis en train de faire les dossiers, après encore, je dois m'occuper d'elle comment? Toi, tu vois ça comment? Si c'est chaud, tu démissionnes, mon gars. Démissionner? Oui. Comment ça démissionner? Je vais faire comment? Comment? Je n'ai pas les carreaux, je n'ai pas les papiers. C'est elle qui me tient, comme tu vois, tu l'as dit. Je n'ai pas les papiers, je ne peux pas démissionner. Tu as raison. Oui. Par rapport à ça, tu vas voir, je vais essayer de te mettre en relation avec un bon avocat qui va s'occuper de toi. Qui veut payer ça avec quoi? C'est un avocat beurre, elle ne coûte pas cher. Avocat beurre, un avocat beurre, il va sauver quoi? Un sans papier. Beurre sans papier. Regarde, 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 regarde toi-même l'addition que tu fais. Non, t'inquiète pas, allons travailler avant que. T'as déjà pas mal arrivé. Déjà. C'est bien ça. Donc tu fais quoi ici? Madame, excusez-moi, j'allais reprendre j'allais au bureau là. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il te manquait 2 dossiers, donc dépêche-toi. Oui, madame. Oui, oui. C'est ça. Il fait les pauses après, il vient se lève. Tu me parlais de. Du Cameroun, tu me disais quoi? Oui, il faut qu'on finalise tes dates là, que tu me dises lesquelles tu as choisi, comme ça on pourra réserver le billet d'avion. Je vais bien choisir, mais il faut que tu me donnes les dates pour que je puisse faire mon choix. Oh là là. Non mais, Inaya, je sais pas. Tu ne sais pas quoi? Le dossier depuis, c'est Ndolo qui te trouve comme ça à ce point. Ndolo à quoi, Ivoire? Ne me dis pas que... Je ne te dis pas que quoi? J'ai très bien vu tous les petits regards par rapport à Ndolo. Tout à l'heure, même me dégager de la réunion, c'est très explicite, hein. Je t'ai dégagé de la réunion parce que tu devais me faire un café. Tu sais que quand j'arrive le matin, j'aime avoir mon café. Et j'avais des choses à régler avec Ndolo. Oh, Naya, détends-toi, détends-toi. Il se confie en moi. Hein. Il se confie à tous ses états. Pour te dire quoi? Il n'y a rien, Ndolo. Il n'y a rien. Mon employé. C'est pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Hein. Il t'a dit quoi? Quoi, comment? Tu as quoi en échange? Je n'ai rien en échange. Je sais que je suis une patronne modèle et que je m'occupe de mon employé correctement. Je ne vois pas ce que j'ai à me reprocher. En tout cas, c'est pas ce qu'il disait quand il dit qu'il va engager un avocat. Hein. Un avocat? Par rapport à quoi? Attends. Par rapport à quoi? Parce que je le traite trop bien. Non, oui. C'est par rapport à... Ah. Il faut me dire, parce que là, je suis un peu perdue en fait. Hein. Parce que tu m'as pas encore dit ce qu'il y a en échange, mais c'est pas grave. C'est par rapport à seulement. C'est qui en échange? Tu viens menacer ta propre patronne. Je ne suis pas en train de menacer. Il y a un procès qui s'est libéré. Je suis dans la confidence. Je viens te prévenir. Je te dis, tu vois bien, il y a un procès qui s'est libéré. Ça fait 3 mois qu'il n'y a personne. Ok, je vais réfléchir. Pardon. On n'a pas travaillé. C'est même quel genre d'emploi que j'ai ici comme ça. J'essaie d'aider. Oh. Il faut vraiment que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Je commence déjà à se confier. En plus, elle lui dit non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que je réussisse à garder le contrôle sur cet homme. Voilà, le Pax. Si je me Pax avec lui, je vais pouvoir garder mon influence sur lui. Il aura ses papiers et en plus, j'aurai son affection. Parce qu'il va devoir me remercier. Non, 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 non. C'est très bien. Il faut que je lui en parle. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Excusez-moi, madame. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, de l'eau. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, madame, et vous? Oui, pourquoi tu restes si loin de moi comme ça? Non, madame, ça va. Je suis là. Oui, vous avez dit que vous voulez me voir aujourd'hui. Oui, parce que j'avais très très belle nouvelle à commencer. Je savais que franchement, tu allais être. Ah bon? Oui. Laquelle? Tu sais combien je tiens à toi. Et tous les jours, je te dis que je cherche les solutions pour t'emmener ce qu'il te fait. Et j'ai trouvé le moyen de donner les papiers. Ah bon, madame? Sérieusement? Est-ce que je blague? Ah, c'est vraiment sympa. C'est quoi là? C'est le Pax. On va se paxer. Le Pax, c'est quoi? Le Pax. Calme-toi, le Pax, c'est comme le mariage. Oui, c'est comme le mariage, sauf qu'on ne passe pas devant le maire. Ah, mais madame, moi j'ai une femme. Hein. Moi, je vous connais seulement. Je veux pas le mariage. Non, tu veux les papiers ou tu. Et encore, c'est ta femme qui est au pays là. Non, mais madame, je veux bien les papiers, mais je sais que c'était pareil à tout prix. Mais d'abord, il n'y a pas de madame. Si tu veux que toi et moi dans le Pax ça fonctionne, tu dois me tutoyer. On en a déjà parlé. Ok, Inaya. Deuxièmement,
en dehors de ces repos, tu me considères comme ta femme. Parce qu'il faut prendre notre projet que ça marche. Non, ça sera un moment difficile. Moi, je suis déjà marié, j'ai 8 enfants. Moi, je ne sais pas si ce sera possible. C'est toujours la même chose. Alors, je savais que c'était pareil à tout prix, mais vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. C'était pas pour tuer, pour tuer. Moi, je ne comprends pas. Mm-hmm, justement, tuer pour tuer, il y en a qui tueraient pour être à ta place, Doro. Et je t'offre les papiers sur un plateau d'argent et tu refuses. Mais madame, tu sais quoi, moi. Tu sais quoi, ne me fais pas perdre. Madame, non, non, Dolo. Je te dis, c'est comme moi je décide, tu as 24 heures. Et ça tient 24 heures, pas une seconde de plus pour me donner ta réponse. Tu me connais. Donc réfléchis très très bien. En tout cas. Tu me fais comment maintenant à la pharmacie? C'est impossible, je ne peux pas gérer comme ça, c'est vraiment impossible. C'est pas plus fort que je.